Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va regarder un peu comment corriger avec Lightroom de la brillance. J'ai déjà dû vous montrer ça plus ou moins, mais on va regarder ça un peu plus en détail. C'est Bertrand qui, sur le groupe Facebook, oui, photo, Lightroom, Photoshop, posait la question. Comment le faire avec Lightroom ou avec Photoshop Alors on peut le faire avec Photoshop, hein, évidemment, mais on va essayer de le faire sur Lightroom. Je lui ai dit, ça dépend de l'ampleur du phénomène. Et donc il m'a envoyé sa photo. Voilà la photo de Bertrand. Et on va regarder un peu comment corriger la brillance qu'on peut voir ici, la brillance qu'on peut voir ici. La brillance qu'on peut voir un peu ici, un peu là aussi. L'idée, c'est pas de faire une retouche beauté, euh, puisque c'est une photo euh, prise un peu sur le vif. Donc, il faut garder quand même le, le, le naturel de cette demoiselle. Alors, pourquoi il y a de la brillance Souvent, c'est lié au fait qu'on a un éclairage qui est pas assez diffusé ou trop fort. Là, si on regarde dans les yeux de la demoiselle, on voit qu'on a une, une lumière bien en face. Donc, a priori, avec cette forme-là, c'est plutôt un flash, hein. ce n'est pas, pas une fenêtre. Ce n'est pas, pas une ampoule au plafond, parce qu'une ampoule au plafond, elle serait située plus haut. Euh, là, elle est vraiment au centre. Donc, bah, Bertrand a dû utiliser son flash euh, malencontreusement euh, sur, cette, euh, sur cette photo. Alors, bah, comment corriger ça Alors, déjà, moi, ça ne me gêne pas trop sur cette photo. Bon, on voit que la photo a été prise au flash, d'accord. Mais euh, ça brille peut-être quand même un peu. Donc, on va essayer de regarder comment corriger cette brillance. Pour corriger quelque chose, on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un zoom là, sur, sur la partie euh, du front. OK. Si vous regardez le front tel qu'il est là, vous voyez qu'il y a de la couleur, d'accord. Vous voyez qu'il y a euh, des, des rugosités qui sont liées bah, au, au, au port de la peau, à la texture de la peau. Tandis que si vous regardez ici la partie qui brille, alors vous voyez que vous avez des petits points, mais ces petits points, ils sont blancs. D'accord Donc en fait, les petits points qui sont plus clairs là, ils deviennent blancs. On voit aussi que ce qu'il y a entre les petits points, ces zones qui vont être ici marron, ben, ici vont se retrouver blancs. Et donc c'est ça qui vous donne cette, euh, cette brillance. D'accord Donc on a là quelque chose d'un peu plus texturé, d'un peu trop clair, et qui n'a pas la couleur d'origine. Donc on va essayer de corriger ça. Et euh, pour corriger ça, on voit aussi que. Là, j'ai toutes les couleurs qui sont assez proches. C'est-à-dire que là, c'est du, du marron. Ici, les petits points, ils sont un peu plus clairs, mais j'ai peu de contraste. Tandis que là, vous voyez qu'on a des choses qui sont beaucoup plus contrastées. Alors, ce qu'on va faire, ben, on va simplement euh, prendre un masque. D'accord On va prendre un dégradé radial. Alors, on pourrait le faire au pinceau aussi. Mais le radial a l'avantage d'avoir un, un dégradé assez sympathique entre, le, entre la partie corrigée et la partie pas corrigée. Et ça permettra de, ça permettra de, de voir mieux ce qu'on fait. Donc je vais, zoomer, je vais zoomer là. Donc ce qu'on a dit, on a dit déjà, il y a trop de contraste. D'accord Alors le contraste, il ne va pas trop marcher. Si vous utilisez le contraste là, parce que vous voyez, je vais le baisser ça baisse un peu mais ça baisse pas énorme d'accord donc on peut le baisser un peu OK mais on est plus dans du micro contraste donc dans du micro contraste on est dans les cas de la clarté là vous voyez on arrive à le baisser aussi pas mal ensuite la couleur n'est pas la bonne d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va désaturer cette partie-là et on va rajouter de la couleur donc je vais aller prendre ici euh, la couleur sur le front d'accord et je vais ici monter plus ou moins pour que ça devienne à peu près naturel. Et puis ensuite, j'ai trop de blanc. Ici, c'est trop blanc. Donc je vais aussi baisser les blancs. Voilà. Et je peux baisser les blancs, pas trop. D'accord Car cette zone-là est quand même un peu plus éclairée. Donc euh, ce n'est pas, pas étonnant que ça soit un peu plus clair. Et ensuite, ce que je peux faire pour certaines zones qui sont encore trop blanches. Je vais pouvoir utiliser ici la suppression des défauts. Je pense par exemple à cette zone-là, d'accord Donc vous allez prendre quelque chose aux alentours qui est par là. Je pense à cette zone ici de la même manière qui pour moi est un peu trop texturée. Alors il faut trouver le, le bon endroit où aller. Voilà, là c'est pas mal. J'ai peut-être aussi un peu cette zone-là où je vais prendre quelque chose de moins texturé. Et encore peut-être cette zone-là, où je vais prendre quelque chose de moins texturé aussi. Ne prenez pas une trop grande zone. Euh, si vous prenez une trop grande zone, ça ne va pas faire naturel du tout. Donc là, je dirais, je suis pas mal, je dézoome. Okay. Maintenant, si je fais un avant-après, majuscule S, okay. j'avais ma brillance, j'ai plus ma brillance. Et là, ensuite, à vous de décider, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Là, on pourrait peut-être dire j'ai baissé les blancs un peu trop, mais là ça ça va dépendre vraiment de votre goût, de votre goût personnel. On pourrait monter un peu l'exposition plutôt que de remonter les blancs, d'accord Parce que si on remonte les blancs, on va vraiment remonter la partie qui brille, tandis qu'en faisant comme ça et en remontant un peu l'exposition, voilà, c'est pas mal. Ensuite, ce truc là, bah, qui m'a corrigé. Euh, ma brillante, je vais euh, bah, aller le dupliquer. Donc, je vais faire dupliquer le dégradé radial. Je veux les mêmes réglages. Hein. Donc, je vais par exemple aller le mettre sur. Alors, là, c'est pas la, la bonne chose que je voulais bouger sur la petite. Euh... Vous voyez, ici, j'ai une petite, une petite zone aussi qui est un peu plus un peu plus brillante. Ensuite, je vais à nouveau le dupliquer et je vais aller sur la zone ici qui est un peu plus un peu plus brillante aussi. D'accord? Ensuite, vous pouvez euh, de la même manière corriger le nez, mais le nez, éventuellement, on peut faire autrement. Je vais vous montrer, il y a d'autres manières de, de corriger euh, cette brillance. Donc, je vais faire terminer, je vais aller là, et je vais prendre la correction des défauts. Et je vais simplement passer ici sur la zone brillante du nez, d'accord Et je vais aller prendre une partie texture qui me plaît. Alors, euh, qui me plaît, qui me plaît, et qui va. Euh, qui fait assez naturel avec le reste. Donc on va aller, on va aller dans ces eaux-là. Voilà. Là, ça se fait assez naturel avec le reste. Simplement, moi, ça me plaît pas que ça brille plus du tout. Donc à ce moment-là, vous pouvez jouer sur l'opacité, d'accord Donc vous pouvez jouer un peu sur l'opacité comme ça pour que le bout du nez soit quand même un peu plus clair, ok Et puis ensuite, vous pouvez euh, ici. Vous voyez qu'on a euh, dans l'oreille. On a ici des brillances. Alors celle-là, pareil, vous pouvez prendre la suppression des défauts. Faites attention simplement que la zone à l'intérieur de l'oreille, vous voyez, là en plus, ça doit être un peu en dehors de la profondeur de champ. Ça reste quelque chose de très lisse. Donc allez prendre une texture qui est dans le même endroit. Et là, vous décidez opacité. Soit vous le virez complètement. Moi, je vais le virer complètement. Et puis ensuite, je vais prendre cette zone, cette zone ici-là, que je vais virer aussi complètement en allant en allant par là, d'accord Ensuite, vous avez d'autres petites zones que vous pouvez travailler. Vous voyez que vous avez ici un peu de brillance par là. Donc là, vous pouvez à nouveau aller retravailler avec votre masque ici, ou alors avec celui-là, on va euh, à nouveau le dupliquer, puis on, on va aller virer un peu la brillance qui se trouve ici, et puis on va à nouveau le dupliquer, puis on va aller virer la brillance qui se trouve un peu par là, au niveau de l'œil, comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'on a à peu près fini. Éventuellement, on peut dire que ça brille. Allez, ça brille un peu par là. Voilà. On pourrait agrandir les zones. On pourrait faire un peu comme on veut. Donc, ça vous. Vous avez compris le principe. La correction, elle va marcher un peu sur tout le visage, si on veut. Terminé. Donc maintenant, ben, si je fais avant-après, d'accord Donc, euh, majuscules. Donc ça, c'était avant. Ça, c'est après. Donc vous voyez, les brillants sont disparus. Alors il y a quand même des parties plus claires, hein, puisque elles sont plus claires, mais les brillants sont disparus. Okay et si on regarde, si on zoome, euh, tout ça fait assez naturel. Hein, Ce n'est pas trop destructif par rapport au grain de la peau, et ainsi de suite. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je peux vous faire une retouche beauté là-dessus, lui lisser tout le visage, retirer toutes les imp petites imperfections de la peau, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas, pas le but de cette photo. Donc euh, là, c'est juste de retirer un peu de brillance pour que ça pète un peu moins, euh, un peu moins au visage. Donc, d'une manière générale, quand vous voulez corriger un défaut, essayez de l'analyser en teinte, en saturation et en lumière. D'accord En TSL. Et comme ça, vous trouverez quoi faire. Là, dans le cas présent, ben, teinte, on l'a changé. La saturation, on l'a changé aussi, puisque là, on avait, on avait plus de saturation. Donc, on a ramené de la couleur et de la saturation. Et ensuite, on a baissé la luminosité de la zone pour arriver à un résultat qui, pour moi, est assez, euh, assez naturel, sans y avoir passé euh, 10 heures. Euh, parce qu'on ne va pas passer 10 heures sur chaque photo. C'était juste pour atténuer ce petit défaut. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ben, on se retrouve pour la prochaine retouche express. Merci, au revoir.